mes petits du ciel, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai un petit peu froid, même avec le soleil, mais ça va. Aujourd'hui, je suis là pour parler de la lecture du mois de janvier. Du coup, on va faire un petit résumé. Je vais commencer par le plus simple. Le livre de Jack. Étrange Noël de Monsieur Jack, qui se présente comme ceci. Un livre qui a lu en deux soirs, qui est très beau. Ça résume complètement le film. Un petit peu d'autres détails dedans. Un très beau livre. Je vous montre l'intérieur. C'est rien de... C'est le film, quoi. Voilà. Très beau. Je l'avais acheté en convention parce qu'il me plaisait bien et que je me rappelais plus du film. Du coup, j'ai lu le livre et puis j'ai regardé le film. Et je le trouve très beau et voilà. Et en plus, voilà. Et si vous voulez faire pause pour lire la description, voilà. Et alors, il coûtait 10,99. Voilà. Après, j'avais acheté le livre. Toute l'histoire de Mickey, celui-là aussi en une soirée, deux soirs que je l'ai lu, j'étais vraiment vraiment dedans, j'étais vraiment à fond. Il est... on apprend plein de choses, les années de sortie, comment ils sont dessinés, combien de fois ils ont passé dans le film avec Mickey, avec Minnie, Donald, tous les noms des films, leur voyez un petit peu. Je vais pas spoiler d'autres non plus. Ah, les premiers apparitions du côté de à côté de Mickey, voilà. Comme par exemple Mickey, elle a joué autant de temps en quelle année, voilà quoi. C'était un truc très 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 beau à lire et je le recommande à tout le monde qui adore Disney, parce que ça vaut la peine. Et lui, je crois que je l'avais payé un truc de 15€. Plus ou moins, je pense. Voilà. Après, j'ai un autre livre qui est comme ceci. Qui est très beau en couverture. Je parlais avec la personne sur Facebook. Et je trouvais un livre beau. C'est Deux cœurs fragiles. Voilà. Et c'est quand la vie fait pour... réunir deux âmes. Ce rien ni personne ne peut venir entraver. Les deux cœurs interdits vont pour... En fait, c'est une fille qui est amoureuse de son professeur. Et dedans, il est facile à lire. Assez bien détaillé. Et du coup, ils vont se battre parce que voilà... ils vont faire là, ils vont avoir une relation secrète tout un moment, et puis ben ils vont, tout le monde va savoir, et du coup c'est un bon livre. Et voilà, je vous montre un peu le descriptif, le nom, enfin la photo de la personne qui l'a écrit. Voilà. En même temps, j'ai un Facebook où on parle que de livres. Si ça vous intéresse, je le mettrai en commentaire. Et alors, le livre que je viens de terminer, qui était dans la box de du petit colis. Si vous vous rappelez, j'avais ouvert ça. Et ça, c'est le celui de février que je vais ouvrir après cette vidéo. Et je la mettrai sur la chaîne. Voilà. Et ça, c'était une histoire très très belle. J'ai adoré. Chaque fois que je lisais, j'avais plus envie de m'arrêter. Et celui-là m'a pris un petit peu plus de temps. Je n'ai pas lu tous les jours non plus. Mais il m'a fallu 3 semaines. Mais je ne l'ai pas lu tous les jours. Et c'est Audrey et Chance. Qui n'ont rien en commun. Sauf peut-être leur destin à la Californie. Ils se rencontrent dans une station essence au cœur de l'États-Unis. Le destin va faire en sorte qu'ils vont faire un bout de chemin ensemble. C'est vrai que
Dans cette partie-là, déjà, c'est vraiment fort. Moi, je l'ai adoré. C'est un livre que je recommande à lire. Il n'est pas trop dur, c'est un beau livre. Il n'y a pas trop de sexe dedans. Alors, c'est le début d'un voyage riche en émotions. Peu amusante et l'univers des autres. Maintenant, il faut voir si ils vont conclure. Je lis pas toujours tout, je lis en résumé un petit peu comme ça. Vont-ils trouver l'amour à la fin du voyage, au bout du voyage, au bout du voyage? Et moi, je sais la réponse. C'est un livre très bien. Je vous mets le descriptif comme ceci. Vous faites pause et vous savez le lire. Et ceci, il est à 7,60. Voilà, que je lis dans le petit colis. Voilà. J'en ai encore un dans le petit colis que j'ai pas encore lu, qui est juste là derrière, que j'ai commencé. On voit, j'ai commencé à lire. Voilà. Bah, maintenant, je commence par celui-ci. Très beau livre aussi. Enfin, un peu plus dur pour moi. Je suis moins fan. Mais j'ai lu que 24 pages. Hein. On verra bien par la suite. En même temps, je voulais vous montrer. Oh, ils sont. Je sais pas tout prendre. Ah, si, ça y est. Je vais dans mon tiroir secret. Si vous vous rappelez, des petites marque-pages Disney qu'on colorie soi-même. Et bien, moi, j'en ai fait et je les ai plastifiés. Du coup, je voulais vous faire montrer ce que j'avais fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Celui-là est très mignon. Et puis, tout le monde le fait à sa sauce. On le colorie comme on veut. Moi, je les ai fait au marqueur alcool. Et en plus, vous voyez, ça se traverse. Mais je trouve qu'ils sont vraiment plus vrais comme ça. Et longtemps, j'en ai plus fait. Celui-là, il est trop beau. Plutôt avec tous ses os. La petite sirène que j'aime un peu moins. J'ai colorié. Celui-ci aussi, il est pas trop mal. Oups. Alors, j'ai Mimi qui est très belle aussi. Alors, on a la petite souillon qui est juste dans le fond et le reste, c'est des petits croix. Pas exactement. Voilà. Et alors, j'ai la dernière qui trouve un peu trop orangé, jaune. C'est fort. Je vous mets un peu de travers, comme ça vous voyez bien. Et alors, celle que j'ai mis dans mon livre pour le moment, c'est Bébé Jack qui est très beau aussi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez ou me piquez. Voilà. Et ben, je vous ai tout montré. Voilà. J'espère que mon petit détail de livre vous a plu. Dites-moi si j'ai un truc à changer. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!